Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne LM Rêve. Voici une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'une journée. C'est une journée internationale. C'est la journée du bonheur. Alors, qu'est-ce que la journée internationale du bonheur? Alors, le jour fêté sera le 20 mars alors. Car le bonheur et le bien-être sont deux aspirations à caractère universel et qu'il importe dans le programme d'action. Le bonheur et l'apprentissage positif à l'occasion de la journée internationale de l'éducation et dans le cadre de célébration, c'est-à-dire de la journée internationale du bonheur, la rencontre est un dialogue global sur l'importance de positionner le bien-être à l'école. À l'école, à la fois comme un objectif et un catalyseur pour un meilleur apprentissage, dans le but de consolider le travail qui a commencé à l'école, qui sortira. La journée du bonheur tombe le même jour que le début du printemps. Ce n'est pas une coïncidence. Alors, vivons heureux, vivons cachés ou pas, la journée mondiale du bonheur n'est pas une journée gadget. De plus, comme la journée mondiale de la sauvegarde des données d'information, par exemple, la journée mondiale du bonheur et du bien-être a été créée par l'Assemblée générale des Nations Unies du 12 juillet 2012 à la suite de la du 28 juin 2012. Notons tout de même que le calendrier onusien compte tout de même plus de 120 journées internationales. Alors, ce qui concerne la journée mondiale du bonheur, on se verra prochainement pour le prochain rendez-vous. Soyez toujours au rendez-vous. Au revoir.